Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dimanche pour la minute technique Muay Thai. Enfin une minute, hein, elle est pas mal longue. Hein. Je suis André Zetoun, je suis professeur de boxe thaïlandaise à Paris dans le 12e arrondissement depuis de nombreuses années. Je suis un passionné de boxe thaïlandaise, mais je suis un passionné des sports de combat, des arts martiaux et d'autres disciplines artistiques. Aujourd'hui, on va voir une technique particulière, c'est le travail à deux en PAM, Muay PAM. Corps à corps, mais c'est un travail plus d'imagination, un travail d'ouverture, un travail technique et un travail plus individuel qu'à l'accoutumée. On va voir ça tout de suite. Donc on va voir un peu de travail de PAM, PAM, qui est travail de corps à corps. Alors je vais pas vous montrer les saisies, tout ça, je vais vous montrer un travail à deux. Ça veut dire que Sofiane il va mettre ses mains sur mes épaules et moi je vais créer un peu de corps à corps tout seul. Alors ce qui est important dans ce type d'exercice, c'est que vous faites travailler votre imagination. Alors, votre partenaire, ce n'est pas un adversaire, votre partenaire du jour, il est là pour vous accompagner dans votre apprentissage. Donc, il pose les mains. Alors, il ne durcit pas parce qu'il faut me laisser travailler. Mais c'est à vous d'essayer de trouver des solutions pour passer les mains, hein, pour jouer. Alors, attention à la tête, rentre la tête. Et puis, essayez de trouver une manière, hein, plier pour planter. Hein, ok, alors c'est pas du kung-fu, hein, c'est en vérité c'est du passage de main et puis essayer de planter avec les genoux, hein, c'est ce qu'on appelle le PAM. Mais ici, c'est pas du chi sao. Chi sao, c'est technique de main collante en kung-fu. Hein. Ici, donc je suis ici, j'essaye, travaille, bam, joue, j'essaye de trouver une solution, hop, je pousse ici, hop, boum, ici, vous voyez, hop, là, je le tourne ici, je plante. En fait, je laisse mon corps s'exprimer. Lui, il laisse ses mains sur mes épaules. Alors, c'est un exercice comme un autre. Hein. C'est pas, il n'est pas mieux, il n'est pas pire. C'est un exercice comme un autre pour vous apprendre à faire travailler votre imagination en PAM, en Muay PAM, encore à corps. Ici, hein, ici, là, regardez. Même s'il durcit un peu, hop, regardez, ça, vous voyez, ça, hop, si je le prends ici, je peux planter. Un, garde le contrôle avec l'autre main. Hop, ici, un, je plante. Un, ok, je vais chercher sur les côtés. Un, ici, hop, je tourne. Hop, je tourne. Un, dans la région du foie. Hop, plexus solaire, 1, et garde les mains sur mes épaules toujours. Ici, je rentre avec le coude, je passe, je peux mettre une patate, je rentre en uppercut. Ici, 1, ensuite je travaille corps à corps, les coudes aussi, parce qu'en corps à corps on travaille énormément les coudes. Ici j'ouvre, hop, je rentre, en montant, boum, point du menton, ou je vais chercher à l'extérieur. 1, la tempe, saisie, 1, je plante, 1, ici, vous voyez, ici je peux monter aussi. Tout ça, c'est un travail que vous faites avec un partenaire. Et vous, vous êtes obligé. Ça vous oblige, ça vous permet de faire travailler votre imagination en essayant de garder toujours le contrôle en corps à corps. En PAM. Hein, saisie, tac ici, ouvrir. Pensez à ouvrir à l'extérieur, à l'intérieur. Jouez avec le corps, jouez avec la force de votre adversaire pour mieux le contrer. Donc ce qui est important, c'est de faire des mouvements. Je rentre avec le coude, je plante avec le genou, vous voyez, je colle, je gêne avec ma tête, je gêne avec mon épaule, je gêne aussi avec ma tête, sans mettre des coups de tête parce que c'est strictement interdit. Ici, je plante, je me mets pas loin, je colle, je ramène, je plante, je vais chercher, je tourne, hop, ici, et je plante, ah, je passe à l'intérieur, je plante encore, sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt, sans vous arrêter. C'est vraiment un travail technique de relâchement. Il n'y a aucune force physique. C'est juste du passage de main, monter à gauche, à droite, ouvrir, bing. Vous imaginez que vous puissiez faire ça au même moment en combat. On est encore à corps. Boum, on rentre encore. Boum, on plante. Voilà, il y a le mouvement. Mais là, vous allez doucement. Et vous prenez votre temps. Et là, vous faites. Hein, vous voyez? Merci beaucoup Sofiane. Merci à vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, hein, c'est très sympa. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la chaîne Mamad Prod. Alors Mamad et moi,
et Sofiane et mon fils, on vous remercie du fond du cœur. Ça fait plaisir parce que vous vous abonnez, vous partagez la vidéo, c'est très sympa. On fait ça de manière passionnée puisqu'on aime la boxe et puis moi je vous montre ce que je sais faire. Alors, quand je vous montre quelque chose, moi c'est ce que je connais, c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que je vois la boxe. J'ai plutôt un idéal de la boxe, c'est plutôt, moi c'est plus dans l'amour, c'est plus dans la beauté technique, le détail, le souci du détail technique, comment s'améliorer, comment ceci, évoluer tout le temps, plus sympa. Et puis moi j'aime bien mettre de l'humour dans mes cours, j'aime aussi être heureux quand je fais de la boxe et j'aime que mes élèves soient heureux quand ils viennent boxer chez moi. Voilà, c'est comme ça ma manière de voir la boxe. Donc ce que je vous montre, c'est pas une vérité absolue, c'est ma vérité. Alors elle fonctionne pas, elle fonctionne un peu plus, un peu moins. C'est pas grave, on est là pour évoluer ensemble. C'est pour ça que je vous remercie de nous suivre tous les dimanches. Et s'il vous plaît, faites confiance à votre prof. Voilà. Faites confiance à votre prof, ça veut dire, soyez patient, quoi. Ouais, mais moi je veux faire ça. Moi j'ai plein d'élèves quand ils viennent. Ouais, je veux faire ci. Le mec il a jamais fait de pao, il sait même pas ce que c'est. Ah, je veux taper aussi là. Et puis je veux faire ci. Hey, gars, mais mec, je suis pas un Franprix, moi. Oh. C'est pas là, tu fais pas tes courses, tu vois. Un peu de respect pour le prof et pour l'établissement. Hein, c'est un lieu important, le lieu de la boxe. Hein. C'est un lieu culte, c'est un endroit où on vient se recueillir au niveau pugilistique. Voilà. C'était un petit peu de morale. Voilà. Soyez heureux, prenez soin de vous. C'est temps difficile. Hein. Positif, positif, positif. On y croit, on s'entraîne, on va courir, on fait plein de trucs. Gardez la pêche, vous êtes beau, on est beau. Moi, taillement votre.